Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre dans l'Évangile un texte très précieux pour avancer, mais aussi un texte très dangereux, car des interprétations ont été données qui sont vraiment aliénantes. Alors c'est dans l'Évangile, dans les trois premiers Évangiles, en fait, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, je vous propose la version qui est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9, à partir du verset 23. Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et à que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd lui-même ou s'il se ruine lui-même ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Et puis je vous propose, pour nous remonter le moral, de lire dans quelques versets du psaume 139. Les versets 13 et 14. Prière de David. Éternel, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère, et je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont vraiment des merveilles, et mon âme le connaît bien. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de laisser quelques temps de chant pour laisser résonner ces paroles de la Bible en nous. Prenons dans le petit recueil Louanges et prières le cantique numéro 287, Nous sommes au Seigneur, pour chanter les trois strophes, 287.
Seigneur, nous te prions de ressusciter nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous touche au plus secret de nous-mêmes, mettant chaleur, paix, joie, confiance dans notre cœur. Que ton amour emporte nos volontés mauvaises ou trop faibles. Que ta paix chasse en nous les troubles et les hésitations. Et que ta joie nous accompagne dans nos chemins, quand ils sont semés d'obstacles et quand ils sont pleins de merveilles. Car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun, chacune de tes enfants. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Malheureusement, ce verset a été trop utilisé, bien trop souvent, pour nous appeler à renoncer à nous-mêmes, nous vider de notre personnalité, de notre volonté, de nos goûts et même de l'estime nous-mêmes pour nous laisser entièrement remplir par le Christ. Comme si pour dire oui au Christ, il fallait absolument avoir dit non à nous-mêmes, alors qu'en Christ, il n'y a que du oui. Cette interprétation s'inspire peut-être de spiritualité orientale, appelant à la négation de soi pour se fondre dans une unité transcendante. En tout cas, cette interprétation est aux antipodes de tout ce que dit Jésus et fait Jésus tout au long de sa vie. Car sans cesse, il valorise la personne qu'il rencontre et nous appelle à faire de même pour les autres. Au gré de ses rencontres, il relève, il pardonne, il encourage, il envoie en mission, il libère pour que chacun puisse suivre son propre chemin. D'ailleurs, quand Jésus quitte son métier d'artisan pour se lancer dans son ministère public, il explique sa démarche dans la synagogue de famille à Nazareth. Il annonce qu'il est envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire ceux qui sont incapables de se décider par eux-mêmes, pour proclamer aux captifs la libération, pour annoncer aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et effectivement, il va vivre ce programme. À chaque page de l'Évangile, nous le voyons libérer la pensée personnelle de chacun, appelant explicitement chacun à utiliser chaque jour sa propre réflexion personnelle, sa propre intelligence. Il passe son temps à stimuler notre réflexion avec ses paraboles, avec ses incessantes questions « Que cherches-tu ? Que veux-tu ?» avec ces paroles impossibles à accepter au pied de la lettre, comme celle d'ailleurs que nous écoutons ce matin.
Et chacun des gestes de guérison que Jésus opère signifie une émancipation pour celui qui en bénéficie. Il guérit des aveugles pour nous dire que son projet est effectivement que nous puissions voir de nos propres yeux, voir par nous-mêmes la beauté du monde et avoir notre propre point de vue sur le monde, pas pour adopter le seul point de vue du Christ ou de Dieu. C'est tout le contraire de l'invitation aliénante à devenir des marionnettes dans les mains de Dieu et puis à recevoir dans la soumission son point de vue, son seul point de vue. Le Christ vient au contraire pour le droit à chacun de voir par ses propres yeux, d'avoir la capacité à entendre par ses propres oreilles, d'avoir un cœur pour pouvoir faire des choix personnels. D'ailleurs, le passage que nous lisons ce matin s'ouvre sur cet appel à faire notre propre choix. Si quelqu'un veut marcher à ma route, à ma suite, même ce choix est libéré par le Christ, par Jésus, quand il s'adresse ainsi à la foule d'auditeurs qui sont plus ou moins convaincus. Et puis Jésus guérit aussi les articulations des infirmes, il guérit nos articulations pour que nous puissions nous lever d'un bond, comme le font ces anciens paralytiques. Se lever, c'est littéralement ressusciter. Et c'est pour nous ressusciter qu'il ne nous appelle pas pour adopter la crucifixion quotidienne comme mode de vie. Jésus guérit nos mains, non seulement pour que nous puissions donner notre substance aux autres, mais aussi pour prendre ce qui nous est offert. « Prenez et mangez », nous dit-il à la scène, pour résumer finalement l'essentiel. Il nous appelle à nous dépenser pour servir ceux qui en ont besoin, mais aussi à accepter d'être servis par lui, Jésus, et aussi par les autres, de ceux qui nous aiment, et que le service soit ainsi mutuel, pas seulement dans le geste du pélican qui, paraît-il, se donne entièrement pour être mangé par ses enfants. Ces guérisons qui émaillent l'Évangile nous disent que ce n'est pas simplement une sagesse qu'apporte Jésus, que ce n'est pas simplement de belles promesses, c'est encore moins un appel à vivre moins, à être moins, mais que Christ est une force qui est venue de plus grand que l'humain, qu'il est un ensemencement qui ne se reçoit que dans une ouverture à quelque chose d'inouï, à une transcendance, une autre dimension qui ne se reçoit que par la prière finalement. Il est donc hors de question de lire cette parole solennelle de Jésus comme s'il nous invitait à renoncer à nous-mêmes, à nous renier nous-mêmes, à nous nier nous-mêmes, à nous vider de notre personnalité, de notre sensibilité, de notre point de vue. D'abord, ce geste serait un mauvais geste, contraire à tout l'Évangile. Comment ? Le Christ nous appelle à porter un regard bienfaisant, un regard respectueux sur chaque autre personne que nous rencontrons. Et nous serions donc la seule personne que nous devrions renier, considérer comme indigne de notre considération. Le Christ cherche à relever, à ressusciter, à libérer, à créer, à guérir chacun. Comment est-ce que suivre le Christ ne comprendrait pas d'avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes, sur notre personne ? Nous invitant à nous regarder positivement, à nous pardonner nous-mêmes, à être capables de reconnaître avec bienveillance notre propre valeur, à voir ce qu'il y a de bon dans notre cœur, dans nos talents, et à pouvoir ainsi l'exprimer avec joie, comme nous pouvons. Et si Jésus ne peut pas s'empêcher de soulager la souffrance de ceux qu'il croise, même quand c'est en dehors de sa vocation, non seulement les souffrances morales des coupables, des abattus, des indécis, des orgueilleux, mais aussi les souffrances physiques de toutes sortes, celles des malades, celles des coupables, celles des rejetés, celles des fous, celles des pauvres. Si Jésus est ainsi celui qui travaille inlassablement, comme il peut, pour lutter contre toute souffrance, il est hors de question de voir dans ce verset une apologie de la souffrance, dans cet appel à prendre chaque jour sa croix, ni même à supporter qu'il existe des croix, et dans notre existence, et dans celle des autres. Jésus ne dit pas « Heureux ceux qui souffrent, ils gagnent plein de bons points auprès d'un Dieu qui apprécie tout particulièrement de nous voir souffrir ».
Mais au contraire, Jésus annonce « Heureux les affligés, car ils seront consolés, car telle est la volonté de notre Père. » Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. » Alors oui, la souffrance existe, elle traverse nos vies avec une grande violence, avec une grande injustice, et avec le Christ, toute souffrance doit être combattue quand c'est possible, car la souffrance est un scandale aux yeux de Dieu. Alors, nous pouvons combattre cette souffrance ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres, quand c'est possible. Et quand nous sommes seuls, nous pouvons la combattre avec lui. Et il nous dit que celui qui souffre ne vaut pas moins qu'un autre, ne vaut pas moins pour autant, qu'il n'est pas abandonné de Dieu, même s'il est abandonné de tous, et même si la souffrance n'a pas pu être combattu, vaincu, ni par nous, ni même par Dieu. Alors quand Jésus travaille pour cette œuvre de libération, il est dans le droit fil de tout ce qui est annoncé par les plus grands passages de la Bible hébraïque, à commencer par la création de la femme et de l'homme selon la Genèse. Le projet de Dieu est de faire une personne qui est capable de créer librement, à son image, à lui, Dieu, et pas simplement à être une marionnette dans les mains de Dieu. Le projet de Dieu est de faire, voilà, cette personne à son image, et voyant le boulot déjà réalisé, Dieu se penche et s'écrie « Ah, voici, ça, c'est du très bon !» C'est cette parole qu'il nous faut entendre, finalement. Elle nous dit que Dieu est content de nous voir et qu'il nous trouve déjà très bons, et qu'il nous bénit, et qu'il veut pour nous une vie comme dans un jardin des délices, nous dit la Genèse. Qu'il nous donne ce monde, qu'il nous donne cette vie pour que nous la gardions, certes, mais aussi que nous puissions la cultiver comme bon nous semblera, selon notre inspiration, selon notre talent, et poursuivre, selon notre génie propre, cette gigantesque œuvre de création qui est en cours. Alors, bien entendu, le récit de la Genèse se poursuit en expliquant que ce n'est pas parce que nous sommes une créature absolument merveilleuse, comme le dit le psaume, que nous pourrions nous prendre pour Dieu. Il y a quand même une nuance. Ou pire, prendre notre propre désir comme objet de notre adoration et comme critère du bien et du mal. Mais là, il s'agit de tout autre chose. L'histoire d'Abraham, ensuite, nous donne un autre exemple immense de la conception hébraïque, de la conception biblique, non seulement de notre incroyable valeur personnelle, mais aussi du regard positif que Dieu nous appelle, nous invite, permet que nous puissions avoir de nous-mêmes. Alors qu'Abraham n'a encore rien fait de particulier, Dieu le bénit et lui promet qu'il sera bénédiction pour une multitude. Et il lui donne cette mission bien connue, l'er lera en hébreu, va, va pour toi, hors de ton pays, de la maison de ton père, vers le pays que je t'indiquerai. Il y a bien marqué, va pour toi, ou va vers toi. Je ne sais pas pourquoi c'est invraisemblablement gommé dans bien des traductions de la Bible, ce va pour toi, va vers toi, va pour ton bonheur, pour faire quelque chose de ta vie et de ce monde que Dieu crée et qui est si beau. Va pour toi, non dans la négation de toi, bien sûr, non dans le sacrifice, non dans la souffrance volontaire, non pour la mort, mais pour la vie. Va par la bénédiction et pour être bénédiction, car c'est même de cela dont tu es capable. L'er lera, va pour toi-même, signifie aussi « va vers toi-même ». Car avant, Abraham n'était pas vraiment lui-même, mais seulement le produit de son environnement, de sa culture, de sa terre, de sa famille. Nous avons là une piste de ce que peut vouloir dire Jésus avec cette idée de se renier soi-même. Abraham quitte effectivement ce que les autres, ce que la vie, ce que le hasard avaient fait de lui. Dieu lui fait prendre conscience de sa valeur et de sa dignité, de son nom. Dieu lui permet d'entrer dans un cheminement pour qu'il se réalise lui-même, étape après étape, jour après jour, pas après pas. Et un peu plus loin dans la saga d'Abraham,
le projet de Dieu est exprimé ainsi. Marche devant ma face et sois parfait. J'établis mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai, je t'augmenterai énormément beaucoup, nous dit le texte hébreu. Alors, ce détournement de nous-mêmes n'est donc pas un appel à renoncer à ce que nous sommes en réalité, mais plutôt à entrer dans cette actualisation de notre être extraordinaire que nous sommes, de nos extraordinaires capacités, d'en faire quelque chose d'immense par la bénédiction de Dieu. Alors le premier nom que Dieu donne à cet homme, c'est Abraham. Ça ne veut pas dire « misérable ver de terre », mais au contraire, ça veut dire « père élevé », ce qui est loin d'apparaître dans le début de l'histoire, parce qu'il n'est ni père ni élevé. Il l'est pourtant, même s'il ne le sait pas encore. Il est pourtant déjà une personne ayant une vraie grandeur et ayant une capacité à donner la vie, qu'il va avoir du mal à trouver peut-être, mais c'est déjà en germe dans sa capacité d'être. Et effectivement, il deviendra plus tard non seulement Abraham, mais Abraham, père d'une multitude. Par la foi, ses yeux peuvent voir, ses oreilles peuvent entendre, son cœur et sa tête peuvent saisir cette réalité méconnue, invisible, qui est dans une autre dimension, qui est au plus profond de son être, finalement. Et pendant des chapitres, Abraham ne sera pas très content de sa vie, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il pressent ainsi, de ce qu'il a saisi ainsi par la foi. Et il s'en plaint à Dieu amèrement de cet écart, finalement. Et c'est permis de se plaindre à Dieu et de le critiquer. Alors il va y travailler maladroitement d'abord, puis il entre enfin dans une juste collaboration avec Dieu, non contre Dieu comme Adam, non contre son frère comme Caïn, non sans Dieu comme d'autres, mais avec Dieu et aussi par lui-même. Cette histoire nous montre ainsi un Abraham qui chemine. Une deuxième fois, il va entendre ce « l'air l'éra », ce « va pour toi », ce « va vers toi ». Cette fois-là, il l'entend « va élever ton fils ». Et il comprend « va sacrifier ton fils ». Un peu à l'image de ces bons apôtres qui lisent ces paroles de Jésus comme un appel à se sacrifier tout bien, à se crucifier, afin d'être élevé par Dieu, comme s'il fallait dire non à nous-mêmes pour pouvoir dire oui à Dieu et oui à Christ. Mais là encore, dans cette Bible extraordinairement riche de sens, l'histoire d'Abraham nous apprend que c'est une folie, car nous ne sommes pas un monstre que nous devrions nier, mais nous sommes plutôt un enfant qui est appelé à grandir par l'amour. L'appel de Dieu disait à nouveau à Abraham sa valeur infinie. Le souffle de Dieu était encore une bénédiction, encore un appel pour qu'Abraham devienne toujours plus lui-même, jour après jour, pas à pas, palier après palier, et qu'il soit source de vie et non de mort, pour lui-même, ni pour les autres. Et puisqu'il est Abraham, père élevé, c'est en étant un père et en élevant son fils qu'Abraham est lui-même. Adam nous disait la difficulté qu'il y a à prendre conscience, finalement, de sa propre dignité sans s'idolâtrer soi-même et idolâtrer son désir. Abraham nous apprend à ne pas nous lasser si nous errons un peu dans ce cheminement pour être nous-mêmes, parce que ce n'est pas facile, bien entendu. Job, lui, a conscience de sa valeur aussi, et c'est bien, mais des catastrophes surviennent dans sa vie et il crie à l'injustice, et il se révolte contre Dieu, il se révolte contre la vie elle-même. Alors c'est vrai que la vie est parfois extrêmement cruelle, mais Dieu n'est pas cruel, c'est ce qu'il va découvrir dans ce texte. Et cette histoire de Job nous aide aussi en parlant de la cruauté de l'existence, de la vie en ce monde, parfois pour la traverser, non en l'acceptant, mais en la traversant.
Moïse, lui, a conscience de sa valeur et de son envie d'être utile. Mais il va tâtonner, lui aussi, avant de trouver, finalement, son propre talent, non par la violence, mais par une force inconnue dont il ne se doute même pas encore. Grâce à Dieu, par la foi, il s'interroge d'un juste « Qui suis-je ?» Et il découvre que c'est par la théologie et par la mystique que lui, un autre, devra peut-être agir autrement, mais c'est comme ça que lui libérera son peuple, par la relation intime à Dieu qui sera source de prodiges. David a conscience de sa valeur, invisible à ceux qui ne regardent pas au cœur. Ils veulent le charger de l'armure de Saül, de l'équipement d'un autre, mais c'est avec ses propres armes, avec son talent, avec sa foi, avec sa force, avec la force de sa louange aussi, de sa confiance en Dieu, qu'il va pouvoir accomplir ce qu'il est, qu'il peut vaincre des lions, qu'il peut vaincre Goliath, et qu'il va être source de bénédiction pour une multitude, malgré ses faiblesses, qui va continuer à jalonner tout au long de son existence, mais travaillant sur ses faiblesses pour avoir le dessus, avec l'aide de Dieu. Jésus lui-même a une vraie conscience de ce qu'il vaut, de la merveille qu'il est. Et quand il se lance publiquement dans cette prédication à Nazareth où il annonce son programme, il sort tout juste d'une période de réflexion intense sur lui-même, où il est tenté d'utiliser ses extraordinaires capacités pour dominer les autres, ou alors au service d'une petite vie bien pépère, ou de profiter de l'extraordinaire bienveillance de Dieu à son égard qu'il sent pour vivre tranquillement avec Dieu à son service. Ce que Dieu est prêt à faire d'ailleurs. Mais comme Abraham, Jésus connaît un cheminement qui va lui permettre d'accoucher de lui-même. Et c'est alors, nous dit le récit, que les saints anges le servent. Autrement dit, la parole de Dieu, autrement dit, sa présence, autrement dit, la gloire de Dieu. Qu'importe la façon de parler pour dire cette puissance divine qui nous permet d'avancer vers nous-mêmes. Et pour cela, oui, nous ne pouvons qu'être seul dans le désert, dans le face-à-face avec Dieu, dans la solitude qui nous permet d'accoucher de ce que nous sommes déjà finalement. Jésus nous donne la vision d'une audace libérée de la crainte. Nous sommes un être extraordinaire, nous sommes un être aimable, aimé, béni, mais aussi fait pour être bénédiction pour d'autres, à notre façon. Si nous le voulons, nous dit-il, nous pouvons nous mettre en route et faire quelque chose de tout ça, de nous, de notre vie, de ce monde mitigé. Parce que c'est ça qui nous ressemble finalement, parce que la vie est là, parce que des personnes extraordinaires sont là, parce que ce monde en vaut la peine et que Christ nous en donne l'envie. En lui, nous sommes libérés de la nécessité de nous idolâtrer nous-mêmes. Dieu déjà chante nos louanges, qui ajouter de plus? Nous sommes du même coup libérés de l'envie d'être en compétition avec les autres, de nous mesurer par rapport aux autres ou de faire nos preuves à nos propres yeux. Nous sommes une merveille extraordinaire. Nous sommes libérés de la peur des catastrophes et des trahisons, oui, ces croix ne nous coupe pas de la vraie vie, une vraie vie qui vient de plus grand que tout ça, de plus grand que le monde, qui vient de Dieu. Nous sommes libérés de devoir sacrifier à Dieu pour lui plaire, ni sacrifier un mouton, ni sacrifier notre vie, ni sacrifier nos points de vue, nos idées, ni notre liberté. Au contraire, le projet de Dieu est de nous voir riches de tout cela. Nous sommes libérés de vouloir être un autre que nous ne sommes pas. Une idole, un frère, un père, une image idéale, tout cela peut nous attrister, nous troubler, nous faire perdre pied. Nous sommes libérés de la folie de vouloir être un autre que nous ne sommes pas. Libérés de cette folie même de vouloir imiter le Christ alors qu'il est unique dans sa vocation. Mais simplement, grâce à lui, avancer vers nous-mêmes avec Dieu et être bénédiction à notre façon,
comme on peut, sans chantage, sans obligation, si nous le voulons bien. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour avancer vers soi-même, avancer à la suite du Christ, un peu plus, jour après jour. Amen.